pour la gloire de ton nom. Yes. Alléluia. Honneur, puissance et gloire à toi, Seigneur. Toi qui viens qui règne en chant. Oh, c'est des siècles, sois élevé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu de gloire et de bonté. Seigneur, tu n'es pas le Dieu du hasard. Seigneur, si tu nous parles ce matin, c'est que ton Église, ton peuple, a besoin d'être progressé. Yes. Oui, Seigneur, tu nous as appelés à progresser, aller de gloire en gloire. Oui, Seigneur, pour que nous puissions progresser, Seigneur, dans l'œuvre que tu nous as confiée. Nous voulons aussi épouser ton caractère, Seigneur. Seigneur, fais un grand travail dans nos caractères. Seigneur, éduque-nous à ta manière. Seigneur, nous voulons l'éducation céleste. Nous ne voulons plus l'éducation humaine. L'éducation que nos parents nous ont donnée. Seigneur, nous ne voulons pas. Parce que c'est avec cette éducation, nous ne pouvons pas progresser. Nous ne pouvons pas aller de gloire en gloire. Saint-Esprit, qui est notre compagnie, notre ami de tous les jours. Toi qui es le meilleur professeur avec nous sur la terre. Saint-Esprit, éduque-nous. Donne-nous l'éducation céleste. Au nom puissant de Jésus. Et lorsque tu nous enseignes, Seigneur, au travers de tes serviteurs et servantes, donne-nous la capacité, Saint-Esprit, de prendre cette parole en pratique, de l'appliquer. Que nous vivons l'application dont Paul a parlé à son fils Timothée. Au nom puissant de Jésus. Et lorsque nous venons dans ces lieux, nous appliquons tout ce que tu nous enseignes. Et nous irons de gloire en gloire. Et nous irons de progrès en progrès. Et nous irons de victoire en victoire. Parce que tu es le Dieu de victoire. Parce que nous combattons sur le terrain de la victoire. Et cette victoire, tu nous l'as acquise au pied de la croix. Lorsque ton sang a coulé sur le calvaire. Et lorsque tu t'es crié, tout est accompli. Oh Seigneur Jésus, quand tu as dit que tout est accompli, c'est que nous avons déjà tout reçu. Nous avons reçu la progression. Amen. Nous avons reçu la gloire. Nous avons reçu la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur notre Dieu, notre Père. Pour que ces choses puissent, pour que nous puissions aller de l'avant avec toi. Seigneur, donne-nous la sensibilité. Sans la sensibilité, Seigneur, nous ne pouvons pas aller de progrès en progrès. Seigneur, donne-nous le discernement. Seigneur, sans le discernement, nous ne pouvons pas aller de victoire en victoire. Seigneur, ô Dieu de gloire, donne-nous l'humilité. Amen. Seigneur, sans l'humilité, nous ne pouvons pas aller de victoire en victoire. Oui, Seigneur, l'orgueil, que tout ce qui est ténèbre tombe, Seigneur. Oui, Seigneur, parce que nous sommes la lumière du monde. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ qui vit en nous. Jésus-Christ, et continue à éclairer toute notre vie, notre caractère. Seigneur, c'est le caractère qui nous empêche d'aller de progrès en progrès. Éduque-nous à ta manière. Seigneur, si tu nous as choisis, c'est pour que nous puissions recevoir ton éducation. C'est pour que nous puissions se soumettre à ta volonté. Amen. Seigneur, que notre volonté meure. Yes. Et que nous épousons ta volonté. Amen. À toi. Yes. Au nom de Jésus, Père. Seigneur Jésus, nous avons besoin de ton aide. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous avons besoin de ton aide. Viens nous aider. Yes. Viens nous aider, Seigneur. Nous avons besoin de ton secours. Viens nous secourir. Si tu nous as choisis, Seigneur, c'est pour que nous puissions rester auprès de toi, mais en gardant tout ce que tu nous enseignes et en les mettant en pratique. Viens nous aider. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Oh Yahweh, Seigneur, voici ton Église. Seigneur, nous sommes là. Seigneur, conduis-nous. Seigneur, conduis-nous. Seigneur, guide-nous. Seigneur, comme le disait ta servante, rends-nous davantage sensibles. Sensibles à ta voix, cher Saint-Esprit. Oui, afin que nous écoutions ce que tu nous diras. Seigneur, cela pourra sembler insignifiant, minime, Seigneur.
mais nous devons être sensibles, oh Dieu, afin d'aller toujours de l'avant. Seigneur, notre Dieu, nous ne voulons pas endurcir nos cœurs. Oh Dieu, nous nous débarrassons de toutes sortes d'endurcissements au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous nous débarrassons de toutes sortes d'obstinations au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous nous débarrassons de toute incompréhension au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous nous abandonnons à toi au nom puissant de Jésus. Seigneur, que cette parole demeure au nom de Jésus. Seigneur, que le diable, Seigneur, que les soucis de ce monde, Seigneur, que les soucis du siècle présent, que rien ne vienne voler cette parole, Seigneur, dans le cœur de tes enfants, de ton Église. Au nom puissant de Jésus, que l'honneur et la gloire te reviennent pour ce que tu as accompli ce matin. Et nous disons Amen.